Bonsoir, je vous remercie de nous être fidèles. Chaumont, leader, et Tourcoing, invaincu, confirment lors de la 16e journée de Ligue A. Chaumont a battu Saint-Nazaire 3-1 et Tourcoing a gagné à Cambry. Sur le même score, Montpellier et Tours ont également assuré. La 16e journée de Ligue A masculine s'est entièrement déroulée ce mercredi, a permis à Chaumont, Tourcoing, Tours et Montpellier de poursuivre leur lancée. Après une 5e victoire en 6 matchs, Chaumont garde la tête des championnats mais a peiné face au premier Saint-Nazaire, l'emportant 3-1 après une âpre bataille. 2 balles de 7 sauvés dans le deuxième acte. Décroché à la 4e balle de 7 et un 4e set accroché. 25 à 20, 29 à 27, 16 à, donc à 25, 27 à 25, 27 à 25. Une victoire collective pour le SVP. 5 joueurs ont inscrit au moins 10 points, 14 pour Akiobanité, 12 pour Indra et Casement, 11 pour Galabeuf, 10 pour Black et le passeur capitaine Raphaël Corée a été désigné meilleur joueur de la rencontre. Le comble Kyle Insigne a quant à lui apporté 24 points au Nazarien, 17 attaques, 3 assists et 4 blocs. Le central Hilder Spencer, 15. Saint-Nazaire perd ainsi sa place sur le podium au classement au profit de Tours, vainqueur 3-0 face à 7. 25 à 22, 25 à 22, 26 à 23, Drame Neto assure l'essentiel des points. Tourin joue 22, donc 20 sur 34 en attaque, 2 contre. Tourcoing toujours solide, Montpellier revient bien de son côté. Tourcoing en déplacement chez son voisin Cambry a conservé son invincibilité et sa 12e place au classement grâce à sa victoire 3-1. 25 à 17, 23 à 25, 22 à 25, 18 à 25 et son bloc solide de 12 points, dont 5 pour Simon, Rorig, Moritz Richard a une nouvelle fois porté le TLM. 19 points, 16 sur 30 en attaque, voilà, égalé cette fois-ci par son homologue Grégory Jumpin, 21 ans. Meilleur marqueur de la rencontre, Irmand Eaglesens, a inscrit 22 points. Un peu plus tôt dans la soirée, Montpellier avait empoché une troisième victoire de rang à Nantes, Rézé, qui a manqué l'occasion de revenir à 1 à un partout après une balle de 7 dans la deuxième manche. Montpellier se déplacera dès vendredi à Poitiers, le reste de la 7e journée étant disputé samedi et dimanche. Merci, je vous souhaite une belle soirée.